السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. فإن شاء الله تعالى نواصل ما بدأناه بالأمس، لعل تكون هذه الكلمة كلمة نحيي بها قلوبنا، ونسأله سبحانه أن يجعلها نافعة لمن ألقاها ولمن سمعها. Hier, on a vu plusieurs versets du Coran qui prouvent bir al-walidain, la bonté et la bienfaisance envers les parents. Dans ces versets-là, on a vu que les prophètes alayhim salam se sont bien comportés. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Et on a vu l'ordre wa qada wa ma'na qada amara, c'est-à-dire il a ordonné. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain ihsana. Et ton Seigneur a ordonné bienfaisance et a ordonné qu'on adore que lui, et bienfaisance envers les pères et mères, envers les parents. L'ordre d'Allah de l'adorer sans rien lui associer. Et que cet ordre-là, أن هذا الأمر كان مقرورا بماذا؟ يعني حق الله قرن بحق من؟ بحق الوالدين. Que ce droit, le droit d'Allah, a été joint avec celui des parents. Pourquoi? Pour sa grandeur. Et que de toute façon, quand on parle des droits de la famille, en réalité, le plus grand droit qui existe et le plus celui qui a plus de valeur et d'honneur, c'est celui de l'obéissance et la bonté pieuse envers les parents. On a donné un exemple, ou plutôt un verset, afwan. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّي أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. On a donné ce verset qui prouve que la personne qui a 40 ans, hein, et qui fait dua à ce moment-là pour ses parents, cela prouve en réalité que cette bonté pieuse envers les parents, هذا البر ينبغي أن يكون دائما. Il faut absolument qu'il soit permanent et tout le temps. Car à 40 ans, généralement, les gens, ils ont quoi? Ils ont تفسحوا يالله, avancez, laissez la place aux autres. On a dit 40 ans, en général, l'homme, il est marié, il a des enfants. Et que même à ce moment-là, il faut qu'il se souvienne de ses parents. Et il faut qu'il se souvienne de ses parents en faisant des dua pour eux. Et on a dit aussi que les dua envers les parents, c'était un signe de foi. Alamat iman, c'est un signe de foi. Et que c'était un signe que tu étais proche de tes parents, wallah. Wallah, si tu fais du'a fi sujoud pour tes parents, ça c'est un signe que tu es proche de tes parents et que tu honores ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Les parents. Il y a le père
il y a la mer. Et tous les deux vivent normalement une fête tous les jours. Tu es, comme est venu dans le Coran, qurrata a'yun, tu es la fraîcheur de leurs yeux. À chaque fois qu'ils te voient, normalement, ils doivent être contents. Et si c'est le contraire, waylak, waylak, waylak. Et si c'est le contraire, malheur à toi, malheur à toi, malheur à toi. Des gens qui rentrent chez eux et qui sortent de chez eux, mais que son père ou sa mère n'a qu'une seule obsession, c'est de lui dire « Okhruj ». Nous, on ne fait pas la fête des pères, ni la fête des mères. Pourquoi ? Parce que tous les jours, c'est leur fête. Tous les jours, normalement, ils sont heureux de te voir. Et voulez-vous que je vous informe de quelqu'un qui est encore plus pieux auprès d'Allah ? C'est celui où son père et sa mère lui disent « Quand est-ce que tu vas venir, mon fils, me voir ?» Celui-là, il a gagné, les frères. « Hada, il a gagné. » Celui où son père ou sa mère il lui dit « Quand est-ce que tu vas venir me voir ? Cette semaine, je ne t'ai pas vu. » Imagine-toi, tu as nourri 5 enfants. Celui que tu vas préférer le plus, c'est lequel ? C'est celui qui est reconnaissant envers l'éducation, envers tous les efforts fournis. Mais celui que tu vas détester le plus, c'est lequel ? Hein ? C'est celui qui ne t'a pas remercié. L'autre chose qu'on a citée dans les versets, les frères, c'est la mère, l'Om. L'importance de cet être. Ahamiyatu al-Om. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amay. Sa mère l'a porté, subissant lui peine sur peine, son sevrage à lui a lieu à 2 ans. Le sevrage, c'est le rida, hein, c'est-à-dire l'allaitement complet. Il dure 2 ans. Et il y a une hikma azima dans l'allaitement. Il y a une sagesse grande dans l'allaitement. C'est que si cet allaitement dure 2 ans, beaucoup de maladies et beaucoup de problèmes de santé te seront épargnés par ce lait qui vient d'elle. Allahu Akbar. Et ça, ça a été étudié. Il y en a même que j'ai entendu qui faisaient de la musculation, hein, et qui disaient on n'a pas assez bu du lait de quoi ? De nos mères. C'est vrai. Des fois, tu t'étonnes. Tu vois des gens, ils n'ont jamais fait de musculation. Mais il a une santé, hdid, du fer. Hein ? Pourquoi ? Halib al-Om. Cette mère, elle a subi pour toi. Allah dit dans un autre verset, Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Un autre verset nous dit donc que la femme a porté l'enfant kurhan et elle a aussi accouché kurhan. Alors wahnan ala wahn, les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le premier verset qu'on a cité, wahnan ala wahn? Ibn Abbas, il dit shidda ala shidda, durcité sur durcité. Ça commence par quoi? Ça commence, pour ceux qui sont mariés, qui ont des femmes, normalement ils doivent connaître ça, hein, ou même les parents, ça commence par des nausées dans le ventre. Sah? Tout marié? Ah, tout le monde se souvient, ah ouais, c'est vrai. Hein? Ça commence par des nausées. Vous savez pourquoi c'est nausées? Le ventre, il est en train de faire de la place pour le bébé. Et tout remonte en haut. Remarquez aussi qu'elle a envie de... Elle a envie souvent, akramkumullah, elle a souvent envie de uriner. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que le ventre, il prend aussi de la place par le bas. Ce qui fait que ça pousse, hein, l'urine, à, ça la pousse à uriner très fréquemment. Et tout remonte
Et c'est ce qui donne ces nausées-là. Et Dahak, un salaf nous dit Da'afan ala da'af. Wahnan ala wahn, il nous dit que ça veut dire Da'afan ala da'af. Alors on a Ibn Abbas qui dit quoi? Shidda ala shidda. Durcité sur durcité. Et Dahak, il nous dit quoi? Il nous dit Da'afan ala da'af. Qu'est-ce que ça veut dire Da'af? Faiblesse. Na'am. Au début, c'est une petite faiblesse. Et plus le temps passe, plus ça devient une grande faiblesse pour elle. De tenir quoi? De tenir cet enfant, ce djinn, dans son ventre. Et Qatada, il nous dit, Juhdan ala juhd. Effort après effort. Donc on a ces trois paroles de ces trois grands savants sur la parole d'Allah, Wahnan ala wahn. Est-ce qu'elles vont en contradiction? Elles ne vont pas en contradiction. Donc la règle dans le tafsir, c'est que quand plusieurs paroles de savants dans le tafsir, dans l'explication d'un verset, ne va pas en contradiction, on peut tous les prendre. Naam. Il y a aussi, pour cette femme, parmi les souffrances de la mère qu'elle a pour l'enfant, c'est ce qu'on appelle al-wahm. Al-wahm, c'est l'envie qu'elle a, la femme. Elle a une envie. Elle a une envie de fraises. Elle a une envie de gâteau. Des fois, elle a une envie à 2h du matin, tu dois prendre ta voiture et tu dois lui ramener ce qu'elle veut. Sinon, elle ne dort pas. Hein? Sinon, elle ne dort pas. Ça, elle a. Et j'en connais ça. Une fois, il y en a une, elle a pleuré. C'est pas la mienne. Hein? Une fois, il y en a une, elle a pleuré. Comme ça, il n'y a pas de problème. Une fois, il y en a une, elle a pleuré, je me souviens, pour une glace. Il m'avait raconté, c'était son fils qui avait raconté l'histoire. Il a dit, pour une glace, elle a pleuré. Mais elle a pleuré toute une nuit. Il lui a tout ramené. Il lui a dit, tiens, ça, zétoune, allez, charme, tout ce que tu veux. Ah non, c'était la glace qu'elle voulait. Hikma min Allah, azza wa jalla. Et j'ai lu de la part de certains savants qui disent quoi? Qui disent, non, les envies, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que les femmes des compagnons, elles n'avaient pas ça. Taïb, les femmes des compagnons, on a inversé. Wahnan ala wahn. Ça rentre dedans ou pas? Ça rentre dans la faiblesse sur faiblesse. Et ça rentre sur la durcité sur durcité, ou effort sur effort. Ça rentre dans la généralité de ce verset. Et ça, c'est juste un détail de sa grossesse, les envies. C'est pour, vous savez pourquoi je vous parle de ça? Pour bien que tu te souviennes de la ni'ma de qui elle est, ta mère. Et elle n'a pas subi ça qu'avec toi. Elle a subi ça avec ton frère et ton autre frère. Et si vous êtes 8 dans la famille, chauffe, Hseb, compte. Elle a subi des grosses souffrances avant que l'enfant voie le jour. Ta mère, alors, elle t'a porté. Et elle n'a pas pensé une minute à l'avortement. Non. Ça, il y en a qui ont souffert avec ça. Elle, non. Elle a dit, abadan, jamais. Cet enfant, je le garde. Déjà, rien que pour ça, tu dois être reconnaissant. Qu'elle a été la cause de ton existence. Elle n'a pas avorté. Elle a été la cause de ton existence alors que tu étais une goutte fécondée dans son ventre. Et elle faisait attention à tout. Ta mère faisait attention à tout. Elle faisait attention à sa nourriture. Qu'est-ce qu'il faut manger et qu'est-ce qu'il ne faut pas manger pour mon enfant. Et des fois, elle se privait même de nourriture que elle voulait, mais elle ne le faisait pas. Pourquoi? Hifdhan libniha. Elle le faisait pour préserver son enfant, pour préserver sa santé. Elle a délaissé aussi les marches, les longues marches. Elle a délaissé les efforts, les gros efforts, le fait de soulever. Car vous savez qu'une femme, si elle fait trop d'efforts, il se peut qu'elle fasse ce qu'on appelle une fausse couche. Et elle a fait tout cela pour te préserver. Elle t'a gardé dans son ventre. Dans son ventre, à l'abri. Pendant que tout se passait bien pour toi, elle, peut-être qu'elle souffrait.
Peut-être même qu'elle a vécu des moments durs. Peut-être que même elle se faisait frapper. Peut-être que même elle était dans une guerre, comme nous. Nous, et vous savez de qui je parle, ceux qui ont vécu, hein, ceux qui ont vécu cela. Nos parents, vous croyez qu'est-ce qu'ils ont vécu? Comme ils disent chez nous, Ashul Miseria, hein, ils ont vécu la misère, ils ont vécu la pauvreté, ils ont vécu des guerres, des bombes. Et malgré tout cela, elle t'a préservé dans son ventre. Et elle faisait attention à toi. De quoi elle te nourrissait? De ce qu'elle a pu, de ce qu'elle a de plus cher. Elle te nourrissait de son dam, de son sang. Et elle n'arrêtait pas de grossir, car toi tu prenais du poids, et elle aussi elle en prend avec toi, jusqu'à ce que son ventre devienne lourd, et que ses côtes ici se déforment, et que sa colonne vertébrale se plie, tout ça de plus en plus pire. Et rien ne la soulage que si toi tu es soulagé. Et rien n'est plus important que ce qu'elle a dans son ventre. Wallahi, tout cela jusqu'à ce qu'arrive le grand jour, le jour de ta naissance, et là c'est la plus grosse de ses souffrances. Il y a des femmes qui ont perdu la vie à ce moment-là. Elles sont mortes d'hémorragie. Il y a des femmes qui n'ont pas voulu. Ils lui ont dit ton enfant ou toi? Elle disait moi et pas mon enfant. Khallihi ishou. Laisse-le vivre lui, mais pas moi. Moi, c'est pas grave. Subhanallah. Dites-moi la vérité, les frères. Ta mère, elle n'aurait pas fait ça pour toi? Ta mère, elle n'aurait pas fait ça pour toi? Elle n'aurait pas donné son âme pour toi pour que tu vives? Et toi, tu fronces le sourcil quand tu la regardes. Tu l'insultes, a'oudou billah. Certains, j'ai entendu qu'ils insultaient leur mère. Et en plus de cela, lorsque l'enfant est né, elle fait, comme vous savez tous, elle remercie le Seigneur, elle remercie Allah en faisant la aqiqa. Pour elle, c'est un grand jour. C'est le jour de la aqiqa. Elle va remercier son Seigneur. Et elle va faire cette fête. Et après cela, on entend des gens qui soubent ummah. Ou des jeunes dans les quartiers qui soubent la mère de son ami. Wallahi ya ikhwan. Tout ce qui peut nous arriver comme misère. Tout ce qui peut nous arriver comme misère. Dans tout. Dans ton argent. Dans ta famille. Dans tes enfants. Tout ça, peut-être que c'est une da'wah. Peut-être que c'est une dua qu'elle a faite contre toi, ta mère. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a cité les trois dua qui sont acceptées, il a dit da'wat al-musafir. La deuxième, c'est laquelle? Da'wat al-madloum, l'opprimé. Et la troisième, c'est laquelle? Al-walid al-waladi. Da'at alayk, ta mère da'at alayk, ya waylak. Walakin idha da'at lak, ya... Ya khayrun lak. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith ummuk thumma ummuk thumma ummuk thumma abak ou afwan ummak thumma ummak thumma ummak, yani trois fois thumma abak. Pourquoi? Ta mère est apportée, ta mère est mise au monde et ta mère est éduquée. Et toi, tu n'es pas reconnaissant envers cette mère. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Mansour, parmi les salafs salih, il disait « Kana yuqalu lil ummi thalathatu arba'i albir » Il disait, Mansour, que on lui disait, lui également, on lui disait que la mère a les trois quarts de toute la bonté. Toute la bonté que tu as, elle a quoi? Elle a les trois quarts. Ta mère, elle a les trois quarts. Regardez ces salafs salih. Comment ils se sont comportés avec leurs parents. Et comment ils ont compris cela. Le prophète, alayhi salatu wassalam,
Il dit dans le hadith al-Sahih, dans Sahih Muslim, quand il nous raconte l'histoire de Sayyid al-Tabi'in, le meilleur des Tabi'in. Un Tabi'in, c'est celui qui a rencontré un Sahabi, c'est-à-dire celui qui a rencontré un compagnon. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit avant tout, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleurs des siècles, c'est lequel? C'est le mien. Ensuite celui qui le suit. Ensuite celui qui le suit. Taïe. L'inondo. Qu'on regarde. Qu'on regarde comment se comportaient ces gens-là envers. Envers qui? Envers leurs parents. C'est le meilleur des siècles. Donc, c'est là où il y a la guidée. Si toi, tu veux savoir comment étaient nos salafs salih, lis un peu dans leur biographie et regarde un peu comment qu'ils vivaient et tu vas comprendre l'écart qu'il y a entre toi et eux. Abdullah ibn Omar était pieux envers son père. Aisha était pieux envers son père, As-Siddiq radiallahu anhu. Al-Hassan al-Hussein, ils étaient bons envers Ali, radiallahu anhu, radiallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas était bon avec son père. Abdullah ibn Zubayr était bon avec son père. Abu Huraira, avec son histoire magnifique, était bon avec sa mère. Et Uwais al-Qarani était un homme pieux avec sa mère. Comme dans Sahih Muslim, ce que je voulais vous raconter. Uwais al-Qarani, il n'a pas été voir le prophète alayhi salatu wassalam de son vivant. Il vivait au Yémen. Le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de Waïs et il a dit هذا الرجل يا عمر ô عمر, si tu rencontres cet homme, demande-lui qu'il te fasse dua, car sa dua est acceptée. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que c'était le meilleur des tabi'in. Limada, pourquoi? Parce qu'il est resté ce qui l'empêchait d'aller voir le prophète alayhi salatu wassalam, c'était quoi? C'était qu'il était auprès de sa mère et qu'il s'occupait, de sa mère. Imagine-toi, ya akhi al-karim, on te dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est dans la ville qui est là-bas, ou plutôt dans le pays qui est, même si c'était à l'autre bout de la terre, tu aurais été ou pas? Wallahi, tu aurais été si tu aimes le prophète alayhi salatu wassalam. Sah ou lala? Mais là, Ouais, il ne pouvait pas y aller parce qu'il s'occupait de sa mère. Et le prophète alayhi salatu wassalam, ta'ajjaba min dhalik. Allah, il a révélé au prophète alayhi salatu wassalam que Ouais n'est pas venu. Pourquoi? Hein? Pourquoi il n'est pas venu? Par bienfaisance envers sa mère. Et sa da'wa, son invocation, elle est exaucée. Des fois, toi, tu vas chercher. Tu dis, oui, je vais faire ma salat, mes cinq prières. Oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Bon, des fois, tu couronnes ça avec des péchés entre les prières. Allah musta'an, comme parler sur tes frères, etc. Mais il reste quoi? Il reste da'wat al-walidain. Il reste la bonté pieuse envers tes parents. Alors mes frères, c'est pour cela que la mère a une grande importance dans l'islam. Ils ont même parlé du rida. Vous savez, le rida, je me souviens aussi d'une chose, c'est qu'Allah dans sa hikmah, dans sa sagesse, il a fait que le rida, l'allaitement, il y avait une sagesse dedans. Il y a une contraction qui se fait au niveau du sein. D'accord? Quand le bébé il tète. Vous me suivez? Et bien subhanallah al-azim, ils ont dit qu'au bout de 2 ans, cette contraction qu'il y a dans le sein, elle fait qu'il y a une contraction dans l'utérus. Et cet utérus se remet en place au bout de 2 ans. Si quoi? Si il rida. Allah, il n'a rien créé comme cela. Subhanallah. Yani des hikam, avec ta mère, yani, si tu regardes les sagesses, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Tu dis c'est ajib.
Voyons alors, mes frères, inshallah ta'ala, vivons quelques instants avec ces salaf salih et comment ils se comportaient avec leurs parents. D'abord, il y a une chose, une règle, qu'ils disent إذا تعارض حق الأب وحق الأم فحق الأم مقدم. Vous avez compris ça? Si va en contradiction deux droits, le droit de ton père et le droit de ta mère, c'est lequel que tu قدم? Hein? C'est lequel? C'est lequel que tu devances sur l'autre? C'est celui de la mère, trois fois la mère. Salafun as-salih, comment ils étaient avec leurs parents? عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك؟ فقال أبي، فقال هو أبي يعني، فقال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. أبو هريرة nous raconte qu'il a vu deux hommes. Il a dit: c'est qui cet homme là pour toi? Il a dit: c'est mon père. Donc il y avait le père et le fils. Et il lui a donné une wasiya, une recommandation. Il a dit la tusammih bismihi, ne lui donne pas quoi? Ne lui donne pas, ne l'appelle pas par son nom. Ba'dhan nas ajib. J'ai vu des gens, hey, papa, il n'appelle pas par papa. S'il l'appelait par papa, ça aurait été bien ça. Son père il s'appelle Mohamed. Ya Mohamed. Astaghfirullah. C'est quoi cet adab? Regardez, là on va parler un peu des adeptes de Salaf. Comme ça vous allez comprendre, ça vous donne une image, et comme ça vous allez comprendre comment il faut se comporter. Il l'appelle par son prénom. Abu Huraira dit, la tusammih bismihi. Wa la tamshi amamahu. Et ne marche pas devant lui, devant ton père. Même marcher. Ba'dhan nas yamshi. Et son père, il est derrière, il regarde comme ça. Ça vous fait rire, mais ça existe. Wa la tajlis qablahu. Et ne t'assis pas avant quoi? Avant lui. Tu viens, tu t'assois et lui il est encore debout. Normalement tu laisses ta place. وكان ابن عمر يطوف فرأى رجلا يطوف حاملا أمه فقال ذلك الرجل أحملها ما حملتني أو حملتها أو نعم أحملها ما حملتني أكثر أو قال أطول قال أتراني جزيتهما أو جزيتها عفوا قال يا ابن عمر فقال ابن عمر لا ولا زفرة واحدة أو زفرة واحدة. ابن عمر un jour il était devant le Kaaba, il faisait le tawaf et il a vu un homme qui venait du Yémen également avec sa mère et il dit je l'ai porté, il l'a porté sur son dos. Il dit, Wallahi, Ibn Omar, je l'ai porté yani, plus longtemps qu'elle m'a porté. Elle, combien de temps elle a porté? 9 mois, au maximum. Des fois, c'est plus. Ça arrive. Et des fois, c'est moins aussi. À la kulihal, il a dit, je l'ai porté plus que cela. Subhanallah. Regardez, Bir al-Walidin, où est-ce qu'il allait chez eux? Il faisait une compétition vraiment dans les bonnes heures. Et qu'est-ce qu'il a dit, Ibn Omar? L'homme plutôt, il a dit Atarani jazaytuha, est-ce que tu penses que khalas, c'est bon? Hein, je lui ai rendu entre guillemets la monnaie de sa pièce. Il l'a regardé, Abdullah ibn Omar, il lui a dit même pas une contraction. Bal kanu qad yafutu alayhim min ba'd al-khayrat li mulazamati hadha al-amr al-'azim. الذي هو بر الوالدين جاء عن أبي حازم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يحج حتى ماتت أمه. Il y a parmi ceux-là, parmi ces grands comportements et ces beaux comportements qu'avait le salaf salih, il y avait le comportement de Abu Hurayra avec sa mère qui n'a pas fait le hajj et qui l'a entendu que sa mère meurt pour faire le hajj. Et aujourd'hui, sa mère a la faim, a la soif, et elle demande qu'on s'occupe d'elle. Voilà où Chidir, qu'est-ce qu'il fait là? Il va au hajj, il s'en fiche de sa mère.
لا إله إلا الله. اللهم لا تهلكنا بذنوبنا. كالله نو نفاس با فيغيغ avec nos péchés. Dabian ibn Ali faisait partie des gens les plus pieux avec sa mère. Et une nuit, il est rentré. Et il y avait à côté de sa poitrine, sa mère, une chose. Et lui, il s'est levé, il est debout, ses pieds, qa'iman. Et ensuite, il a eu peur qu'il y ait eu un faux mouvement, et il a eu peur qu'elle se réveille à cause de ce mouvement-là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Sbor, inshallah, sbor. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que il est resté toute une nuit en la regardant jusqu'à ce qu'elle se réveille. Et aujourd'hui, tu viens à 2h du matin et tu sonnes, tu dis « Amma, j'ai faim ». Allah musta'an. Lui, il n'a pas voulu la réveiller. Et ça, c'est partie du bon adab. Tu ne réveilles pas tes parents. Tu ne marches pas devant eux. Tu ne l'appelles pas par son prénom. Un autre adab, vous avez Haywa ibn Shuraih. C'était un alim, un savant. Et ce savant-là, qu'est-ce qu'il faisait ? Il enseignait aux gens. Et ces gens qui étaient autour de lui prenaient la science de lui. Et sa mère, elle l'a appelé un jour, elle lui a dit « Qum ya haywa, ya haywa ». Elle lui dit « Qum, lève-toi. Fa alqi sha'ir al-dajaj. » Elle lui a dit « Lève-toi et va donner les graines pour les poules. » Vous savez ce qu'il a fait ? Il s'est levé, il a donné les graines pour les poules. Quel âge il avait ? Il était vieux. Mais ça n'a pas empêché d'être bon vers sa mère. Donc l'ordre, c'est jusqu'à la fin de tes jours. L'ordre d'être pur vers tes parents, c'est jusqu'à la fin de tes jours. Zain al-Abidin. Zain al-Abidin, un des fils de Ali, radiallahu anhu. Il était très pieux avec sa mère. Lui, on lui a dit, on ne comprend pas, Yazid. Tu es gentil avec ta mère, tu es pieux avec ta mère, et tu es le plus pieux qu'on ait vu. Et on ne te voit pas manger avec elle dans la même assiette. Qu'est-ce qu'il dit alors, Zain al-Abidin? Il dit, « Akhafu an tasbaqa » أو أن تسبق نعم يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. Il dit j'ai peur que mes yeux franchissent ou plutôt arrivent vers une chose que elle veut dans le plat et je prends cette chose là et j'ai peur d'être désobéissant par rapport à cela. Le plat. Toi, tu viens, tu lui manges sa gamelle, peut-être. Tu dis, mais allez, c'est ma mère. Ah, ma mère, elle t'hammel plus avec moi. A'udhu billah. Urwa ibn Zubayr, quand vous dites qu'il ne faut pas froncer les sourcils. Urwa ibn Zubayr disait, ma barra walidahu man shadda tarafa ilayhi. Il te dit que la personne n'a pas été bonne envers ses parents lorsqu'elle lui fronce les sourcils. Quand tu fronces les sourcils comme ça à ta mère ou tu lui parles comme ça, tu crois que ça ne lui rend pas un chagrin dans le cœur? Le prophète alayhi salatu wasalam, il te dit la tahtaqiranna min al-ma'ruf shay'an. Hein? Ne méprise pas une chose bien. Ne méprise pas une chose bien, ne serait-ce qu'une petite chose. Et le beau regard, ou plutôt sourire à tes parents, cela fait partie des grands comportements. Et Abu Omar nous raconte par rapport à son fils. Abu Omar raconte par rapport à son fils, Dar. Ils lui ont posé la question, ils ont dit à son père, yani, Abu Omar a dit كانت, yani, ils lui ont posé la question, كيف كانت عشرته معك? Comment qu'il vivait avec toi? Il a dit ما مشى معي قط في ليل إلا كان أمامي. Il n'a pas marché dans une nuit sans qu'il soit devant moi la nuit, afin de le protéger, s'il y a un danger. وَلَا مَشَى مَعِي فِي نَهَارٍ إِلَّا كَانَ وَرَاعِي. Et par contre, la journée, il marchait derrière moi, par le respect, parce que les gens le voient.
وَلَا ارْتَقَى سَقْفًا كُنْتُ تَحْتَهُ. الله أكبر. Il te dit qu'il n'a jamais été au-dessus de lui. C'est-à-dire qu'il n'a jamais monté. Il n'est jamais monté au-dessus d'un toit et il était au-dessus de lui, au-dessus de son père. Subhanallah. أين أنا من هؤلاء؟ أين أنا من هؤلاء؟ Et Abu Huraira radiallahu anhu, lorsqu'il sortait, il disait, il se mettait devant la porte et il disait, Ya Ummah, il appelait sa mère, il dit, Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. فتقول وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا كما ربيتني صغيرا. Il lui a dit, hein, il lui a fait le salam et ensuite il lui dit quoi? Il lui dit qu'Allah te fasse miséricorde, ma mère, comment que tu m'as éduqué depuis que je suis petit. Et elle, qu'est-ce qu'elle disait? فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا. Et qu'Allah te fasse miséricorde comme tu as été pur avec moi. Ta mère, elle te dit ça? Ta mère, avant que tu meures, elle est contente de toi? Sache que ça, c'est un signe qu'Allah t'a préféré aux autres. Et Hassan ibn Masr, Hassan al-Basri, quand on lui a questionné sur Birr al-Walidain, il a dit An tabdhula lahuma ma malak ma malakat ou ma malakta wa tuti'uhuma ma lam takun ma'siyan. Il dit, Hassan al-Basri, quand on lui a posé la question qu'est-ce qu'était Birr al-Walidain, il dit que tu dépenses tout ce qu'il y a en ta possession pour eux. Et que tu leur obéisses, sur quoi? Que tu leur obéisses tant qu'il n'y a pas de quoi? Tant qu'il n'y a pas de ma'siyah, tant qu'il n'y a pas de désobéissance. Et Humayd ou Hamid, lorsque sa mère raconte plutôt que lorsque Umiyas ibn Muawiyah est morte, Iyas, il s'est mis à pleurer. Et il a dit, ou plutôt on lui a posé la question, « Ma yubkik ?» Il dit, « C'est quoi qui te fait pleurer ?» Il a répondu par une phrase, et qu'est-ce qu'elle est belle cette phrase. Il a dit, كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة وأغلق أحدهما. Il dit, j'avais deux portes pour le paradis et là il y en a une qui vient de se fermer. Et des gens aujourd'hui sont contents quand leur père ou leur mère il meurt. Ah c'est bon, khalas, bon débarras. Ou ils les mettent dans des maisons de retraite. C'est quoi ça? Minna ça? Ça c'est ça l'islam? Ça c'est ça l'islam? Lui, t'a mis dans une maison de retraite, ton père? Ou plutôt un orphelinat ou quelque chose comme ça? Il t'a mis dans ça? La abadan. Donc, sois lui reconnaissant, mon frère. Sois reconnaissant envers ton père. Mohammed ibn Sirin disait Ida kana inda ummi khafidha min sawtihi wa takallama ruwaydan. Et Mohammed ibn Sirin, hein, quand il était auprès de sa mère, qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait tout doucement. Et il parlait tout doucement et d'un son très calme. Et Hassan raconte que il y a un homme qui est venu et il lui a dit qad hajajtu, j'ai fait le hajj, wa qad adinat li walidati fil hajj, et ma mère m'a donné la permission pour faire le hajj. Et qu'est-ce qu'il a répondu al Hassan al Basri à cet homme là il lui a dit la qa'datun taq'uduha ma'aha على مائدتها أحب إلي من حجك. Il a répondu que une assise avec elle, une assise avec ta mère, sur la même maïda, c'est-à-dire sur la même table, hein, servie, cela est préférable pour moi que ton hajj. Attention, c'est pas le hajj le farida, c'est le hajj le tatawwu, c'est-à-dire c'est le hajj qui est quoi? Qui est, hein, surérogatoire. Parce que quand même, il y a un grand âge dans le hajj. Je ne sais pas si je dois continuer ou pas, parce qu'il est venu tout à l'heure m'interpeller. 5 minutes. 5 minutes, nazid ou 5 daqaïq, inshallah. Mes frères, Birr al-Walidain, beaucoup de gens se posent la question sur toutes les mosibas qui t'arrivent, toutes les malheurs qui t'arrivent. Tu n'arrives pas à te marier, tu as des enfants, Allah musta'an, c'est des catastrophes, etc., etc., etc. Il faut savoir une chose, c'est regarde ta position par rapport à tes parents.
tous les problèmes qui nous arrivent. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit hein, que tout ce qui nous arrive, c'est ce que nos mains ont acquis. Et qu'il pardonne beaucoup. Ça veut dire que malgré qu'Allah pardonne beaucoup, ma'afouhi al-kathir, Allah il nous pardonne beaucoup, il nous arrive ces musibahs-là, ces épreuves-là, mais c'est pourquoi? C'est parce que nous avons commis énormément de péchés. Les adabs, donc, que vous avez vu ici, mes frères, les adabs qu'il y a à avoir avec les parents, qui est le plus grand haq, on va essayer de les résumer très rapidement. Le premier, donc, c'est quoi? C'est d'avoir un bon lien de parenté. Et les liens de parenté, c'est quoi? C'est que tu l'appelles. Si, par exemple, ici en France, il n'y a pas, dans le dîme, dans notre religion, il n'y a pas tu le fais 10 fois, 20 fois, 30 fois, là. Si, par exemple, dans le pays où tu es, en France, le lien de parenté, c'est appeler une fois par semaine, et bien là, tu rentres dans le lien de parenté. Et toi, fais mieux, appelle deux fois. Bi'inillah. D'accord? Donc le fait d'avoir un bon lien de parenté en les appelant, etc., ça c'est le premier adep qu'il faut avoir avec tes parents. La deuxième chose, ne jamais leur dire une parole qui va les contrarier. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ. Ne jamais leur dire une parole qui va les troubler, tes parents. Ibn Abbas, quand on lui a dit فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ, il a dit كَلِمَةٌ كَرَاهَا, يعني كَلِمَةٌ كَرَاهَا, يعني une parole ou une parole makruha, une parole détestable. Et Mujahid, il nous dit, au niveau de leur éducation, c'est-à-dire au moment où tes parents vieillissent, il dit إِذَا بَلَغَ عِنْدَكَ مِنَ الْكِبَرِ مَا يَبُولَانِ وَمَا يَخْرَيَانِ فَلَا تَتَقَذَّرْهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَامْطِ عَنْهُمَا الْخَلَاء والبول كما كان يمطيانه عنك صغيرا ولا يتأففان. سبحان الله العظيم. مجاهد nous dit que si l'un d'entre eux ou les deux deviennent vieux et que cette vieillesse les a poussés à faire pipi ou à faire leurs besoins sur eux-mêmes, viens à eux et lave-les comme ils t'ont lavé. سبحان الله العظيم. Il te dit lave-les comme ils t'ont lavé. Hein? Et comme ils t'ont enlevé les excréments et l'urine, alors qu'ils le faisaient quand tu étais petit, et cela sans dégoût, que toi tu dois le faire. Naam. Et ne leur dis jamais ouf. Ne leur dis pas ouf. Ouf, c'est une kalima pour dire que tu t'ennuies de cela. Le fait de lever le son, le fait de lever la voix, c'est pas un bwed. Ça aussi. Le fait de leur couper quoi, la parole. Il est en train de parler, ton père miskin. Ouais, mais comme ça, tu leur coupes la parole. Ya lahu min adab. Le fait de ne pas les déranger quand ils dorment. Ça, on l'a vu avec la qissa du salaf. Le fait de montrer que tu es quoi? Que tu es dalil, c'est-à-dire que tu es humilié devant eux. D'accord? Le fait de reconnaître ses bienfaits en leur faisant dua lors de leur vivant et lors de leur mort. Le fait de dépenser de l'argent lorsqu'ils sont dans quoi? Lorsqu'ils sont dans le besoin. Allah dit قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. Dit que ce que vous dépensez de meilleur, c'est pour les parents et les proches. À mon avis, on va me couper le micro là. Là, j'ai trop parlé. Là, Mustahab. Allah. Je continue? Allah, c'est bon? Fikum barakallah. Subhanakallah, mhamdik. Shadun an astaghfiruka wa atubu ilayk. Ikhwani, inshallah, wallah, la tansaw hadha dhikr. Wallah, ça, c'était une nasiha que je me suis fait à moi-même. Avant de vous la faire avant. N'oubliez pas ça. Les parents, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Il y a un frère ici qui était parmi nous hier, sa mère, elle est rentrée dans l'islam. Vous savez comment? Lui, c'est un converti. Sa mère, elle est rentrée dans l'islam en voyant le bon comportement de son enfant. En très peu de temps, elle a vu qu'il y avait un changement total. Donc, Inch'Allah, les frères, n'oubliez pas ça et essayez d'écouter beaucoup de doros sur cela. Cela est très important pour la communauté.
الله.